Toute image raconte une histoire. La fin n'est pas toujours heureuse, mais la comprenons-nous bien? L'entracte est terminé, je pense. Assez de préliminaires. Voici le numéro que vous attendiez. La preuve que je suis innocent et que je suis de très bonne humeur. L'âmes et trônes sont vains quand le monde entre dans la danse. Travailleurs, juristes, marins, saints ont tous les mêmes chances. La mort imprévue fait partie de la vie. Il faut bien l'accepter. Bien peu ont un bonheur infini. Rien ne sera plus. Les plaies, le feu, les maladies, les meurtres, noyades ou incendies, les chutes du haut des escaliers sont imprévisibles, il faut oublier. Je travaille sans une seule pause, dur toute la journée. Après la danse, je me repose. Le repas peut commencer. C'est l'heure de manger. Nous sommes tous égaux devant la mort. Et nous sommes tous comestibles. Ça alors? Un festin en plein destin incertain. Je ne suis pas votre ennemi, Alice. J'ai tenté de cacher toutes ces merveilles à ce monstre. Répit de courte durée. Chacun joue son rôle. Êtes-vous lion ou reine? Bouc idiote ou vol allié? Quelle qu'en soit l'issue de cette bonne farce, il est possible que vous soyez le dindon. Alors, pour qui? Oh non! Qui a mis ce maudit train en marche? Et d'où vient-il donc? Il est arrivé en même temps que vous! Il est bien plus terrible que vous pour gagner la vie! C'est un tueur de rêve! Il n'y a que le monde ici qui doit savoir comment. Le sang dans ma bouche est
amer. Nourrice, où est la brute qui m'a frappée? Le vaurien rôde dehors. Il est en vie, hélas. Que voulait-il? Ce qu'ils veulent tous, l'argent qu'il n'a pas. Pourquoi es-tu allé te fourrer là-dedans? T'aurais pu être tué. Nourrice, ma tête explose. Des visions terribles me hantent. Je dois savoir. Au sujet du feu, encore cette histoire. Tu dois oublier, Alice. Et moi aussi. Bon, au moins ne parle-t-elle plus de cet asile. Mon passé est mort, je les ai tués. J'aurais dû les sauver, j'aurais dû mourir. Elle en perdait totalement la tête. Radcliffe pensait que des têtes connues l'aideraient. Un an plus tard, ce sale type s'est désintéressé de son héritage. Il lui posait toutes sortes de questions. Ça n'a fait que l'affoler, la pauvre. Et la démence ne sert d'excuse qu'aux meurtriers. Quand elle ne commettait pas, elle crisait, les yeux révulsés. Elle bavait, poussait des cris stridents. Sans jamais articuler de paroles. Comme l'enfant qu'elle était, elle gardait ses secrets. Pickpocket et rôdeur, aussi nombreux que les cafards. Ces pauvres mômes sont la proie des pervers. Comme les fourmis sont les proies des guêpes, et les mouches sont les proies des araignées. Vous avez vu ma chambre à Rutledge. Que faisiez-vous? Tu t'en souviens? Radcliffe m'a payé, quelque temps. Une femme seule doit parfois faire des choses qu'elle n'a pas forcément envie de faire. Mais tu le sais. L'infirmière Whitless a dit que les temps étaient durs. Je ne bois pas comme elle. Je ne fais pas de mal. Je me prostitue, c'est tout. Certes, nourrice. Elle a aussi dit que vous aviez peut-être mon lapin. Nourrice, parlez-moi de... De ce maudit feu? Ça ne sert à rien. Écoute, je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas. Radcliffe a écrit le rapport d'enquête. Allons le voir. De plus, il a ton stupide lapin. Tu devrais le savoir. D'accord, mais Monsieur Radcliffe n'est pas doué. Je le sais bien. Tu fais la concierge? Ouais, j'ai le droit de savoir. Regarde-moi tout ça. L'endroit grouille de monde avec ses histoires sordides. As-tu la faute? Si tu veux pas être largué, faut savoir où écouter. Et cachotier avec ça. Je parle pas pour rien. Occupe-toi de tes affaires. Étant donné la qualité de la marchandise, mon offre est plus que généreuse. Vous connaissez le cœur des femmes, n'est-ce pas? Si vous n'ouvrez pas votre bourse plus largement, elles n'ouvrent pas leur cœur. Nous pouvons trouver un arrangement. Arrêtez de parler et je vous paie. Motus et bouche cousue. Bouche cousue, hein? Oh, voilà qui est dommage. Oui? Qui est là? Alice Liddell, Monsieur Radcliffe. Ah, enfin! Vous feriez mieux d'entrer. Je vous ouvre.
Vous avez mon lapin. Et vos bonnes manières? Où donc les avez-vous laissées? Les auriez-vous abandonnées à l'asile de Rutledge, ma chère? Nous en avons déjà parlé. En colère, comme toujours, prenant les gens de haut et accusant à tout bout de champ. J'aurais volé son lapin. C'est vraiment ridicule. Elle est revenue pour l'incendie. Elle n'a que ses mots à la bouche. Les comptes rendus parlent tous d'une mort accidentelle. Elle n'y croit guère, rabâchant toujours ses maudits souvenirs, sa quête de vérité. Voilà la vérité. Le chat de la maison a tout simplement renversé une lampe dans la bibliothèque. Les flammes ont piégé ses parents à l'étage. Sa sœur Lizzie n'a même pas tenté de fuir. Elle est morte dans son lit. Le pauvre chat est le seul coupable, mais pas pour Alice. C'est absurde, impossible, etc. La pauvre enfant. Dès le début, j'ai soupçonné la fille d'être pyromane. Elle fait une fixation sur le feu. Mais comment le prouver? Elle insistait pour voir le rapport du légiste. Mon Dieu, quelle horreur. J'ai souvent pensé qu'elle n'était pas tout à fait innocente dans cette tragédie. Elle a souffert de graves épisodes psychotiques. Lui ai-je arraché la tête? Je voulais. Ma pauvre tête va exploser. Est-ce folie de vouloir de meilleures hallucinations? Peut-être mon sort est-il de mourir ici? Épouvantable ravage. Le pays des merveilles est corrompu. Le monde diabolique te fait peur? Cet enfer auquel tu fais face n'est peut-être qu'une illusion. Tu ne mens pas si bien que ça, et je ne suis pas aussi bête. J'aurais cependant préféré quelque chose de moins néfaste. Tout ceci est arrivé par ta faute, Lidl, et ne va sûrement pas s'arranger. Ton train avance à un rythme infernal. Va-t'en. Le temps n'attend pas, le changement est en route. Le train à lui seul suffit à me terrifier, le chat. Trouve-toi autre chose à faire. Y a-t-il donc si peu d'espoir? Encore moins que ça. Et si la peur te bloque, nous sommes perdus.
long voyage commence toujours par un premier pas. Mon premier pas sur London Bridge pourrait être le dernier. Alice la Trouillarde, c'est ce que tu veux voir écrit sur ta tombe? Bord vaporeux ne sera aussi fragile et impalpable que ta confiance. Il t'aidera, crois-moi.